De retour en Isère pour ce grand week-end de 4 jours. Je vais essayer cette caméra du Honor 7C, donc de nuit. Honor 7C qui est une caméra qui filme quand même en 1080p, 16:9 stéréo. Et en fait, à l'avant, à l'arrière, on filme en 1080p, donc c'est bien. Filmer en 1080p puis regarder ces vidéos en HD, HD+, mais bon, ça permettra d'envoyer sur les réseaux en 1080p quand même. Donc là, la caméra avant de la ville de Voiron, je suis dans un petit peu dans le centre, petit zoom pour voir ce que ça donne. J'espère que le son sera bon. Moi j'ai le micro, cravate, bon il n'y a pas de stabilisateur, hein. J'ai une perche assez de fille, j'ai pas osé. Comme ça on se rend compte au moins de la stabilisation telle qu'elle. Donc là bah, je suis à un endroit qui est même bien éclairé. Moi ça n'a pas l'air mal. Donc je me renseignerai un peu au niveau des caméras, voir d'où elles viennent. Donc voilà, la ville de Voiron. Hein. Je reprends avec la caméra arrière pour finir cet essai. Donc la caméra arrière, 1080p, 16:9 stéréo. Donc de la ville de Voiron, toujours avec la cathédrale, mon doigt que j'ai pas oublié de mettre bien sûr. Cathédrale que je vais zoomer. Waouh, c'est pas si mal que ça, je trouve. On va dézoomer, faire un petit tour pour voir qu'est-ce que ça donne. Et donc en marchant, voilà. Bon, la cathédrale n'est pas allumée, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours plein de lumière. Je trouve que la stabilisation est pas mal. J'avais pas vu la dame. Ah, ça bouge beaucoup quand même. Bon, mettre à deux mains, ça va être mieux. Et je voulais voir un truc parce que. Notre-Dame de Louise qui veille sur Voiron. Et j'ai vu qu'elle, par contre, elle était allumée. Je sais pas si on va voir bien là-haut, à la cime de sa colline. Donc, ils ont été mettre une lumière là-haut. Bien. Donc voilà pour cette caméra arrière du Honor 7C. Sans stabilisateur. Oh, je trouve pas si mal. Hein. Il n'y a plus qu'à essayer ça deux jours. Et puis c'est parti. Allez, à bientôt.
Bien, et retour en Ardèche avec pas meilleur beau temps qu'en hiver. Donc avec cette caméra avant du Honor 7C, caméra de capteur de 13 et 2 je crois, et la caméra avant de 8 millions de pixels. Bon, je trouve que ça n'a pas l'air si mal que ça. Il n'y a pas de stabilisateur, sûr, c'est sûr. Voilà. Donc ouais, je voulais dire aussi dans la description là il y a un lien là, je vous laisse cliquer dessus et puis vous verrez, vous tomberez sur la page Facebook des lutins du Félix si vous voulez faire un petit don. Donc j'en profite en même temps, voilà, de faire cet essai. Donc voilà, je vais essayer la caméra arrière et puis bah, je trouve que c'est pas mal. Maintenant c'est sûr qu'il faut mieux faire. Filmer en full HD pour regarder ces vidéos en 1080 en HD+. Bon, pourquoi pas, sur les réseaux ça s'ira pas. Allez, je reprends avec celle de derrière. Donc la caméra arrière 1080p 16/9 stéréo avec les Ardéchois amoureux, les vieux Ardéchois amoureux pardon, avec un zoom, oh là là, c'est pas terrible, ma foi, c'est pas si mal finalement. Kermit la grenouille, oh, fait des gros yeux, et une tortue ninja, ou tortue géniale, je sais pas, les fleurs. On va aller voir les fleurs en marchant. Voilà la stabilisation. Mais bon, c'est vrai qu'elle est absente. Hein. Tant pis. Ça coûte 179 € le téléphone. Bon, ça va. Ça fait du 1080p. Ouais. La classe. Bon, les fleurs. Elles sont jolies les fleurs. Bon, celles-là, elles ont reçu un peu avec le vent. Autrement, elles sont jolies. Voilà, un petit tour du mauvais temps, hein, le soleil. Voilà, bien sûr. Et donc, voilà, terminé pour cet essai des caméras de ce Honor 7C. Qui filme en 1080p stéréo 16/9, voilà.